Fais un bon choix par la foi.
J'aimerais faire un bon choix par la foi au nom de Jésus. Avec moi, je voudrais faire un bon choix par la foi au nom de Jésus. Amen. Pendant vous asseoir ce matin, j'ai reçu un petit message que le Père de Sœur Maggie a besoin de la prière parce qu'il est malade. Le Père de Sœur Maggie. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Alléluia. Est-ce que Félix? Seigneur Jésus, je place Félix devant toi et je te demande de toucher, Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il est venu à l'église plus que deux, trois fois. Seigneur Jésus, mais il n'a pas encore donné sa vie à toi. Mais peut-être dans cette maladie, il va donner sa vie à toi au nom de Jésus. Je prie que ça sera le cas, Seigneur. Il est malade ce matin, mais que cette maladie ne soit pas à la mort. Mais que cette maladie soit, Seigneur Jésus, pour le pousser de venir en toi. Afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. To remember what you fear, what you serve, you choisissez le Seigneur, les bonnes choses. Choisissez le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez dire alléluia. Des bons choix. Dans la Bible anglaise, les bons. Et légèrement le verbe qu'on utilise dans la Bible anglaise au verset 25. Lorsqu'il dit « Emmanuel est maltraité avec le peuple de Dieu », dans la Bible anglaise, il dit « Il a choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. » Il a choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, cœur, d'avoir le plaisir de la richesse d'Égypte pour un temps. Amen. Plaisir pour un temps ou la richesse durable. Lorsqu'on est dans un tel choix, ça doit être facile à choisir les richesses durables, n'est-ce pas vrai? Que le plaisir pour un temps. Amen. Alors il a bien choisi Moïse. Amen. La vie que nous avons, c'est une série de choix. Amen. Le plus grand facteur, le plus grand contribuant de notre avenir ne sera pas notre environnement, ne sera pas simplement notre famille, mais le plus grand facteur de la réussite de votre vie sera vos choix. Vous choisissez chaque jour à réussir ou à faillir. Amen. Mais je voudrais choisir à réussir. Pouvez-vous dire alléluia? Amen. Si je sais, tout le monde cherche à blâmer quelqu'un. Pour moi, la Martinique, il y a les gens qui aiment blâmer le chlore de corne. Mais le chlore de corne est dans le prostat pour les hommes. Pour moi, j'ai trouvé ça tellement bête. Parce que presque tous les hommes aux États-Unis ont un problème de prostat s'ils vivent longtemps aussi. On nous dit aux États-Unis, si vous ne mourrez pas d'autre chose, vous allez mourir avec cancer de prostat. Parce que tous les hommes auront cette maladie lorsqu'ils vieillissent. Amen. Ça, c'est ça qu'il nous dit. Mais à la Martinique, on dit blâmez le chlore de corne. Parce que le chlore de corne, c'est celui qui donne le cancer de prostate. Je ne crois jamais ça. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais je ne crois jamais ça. Alléluia. Amen. Et parce que dans la vie, on cherche toujours à blâmer notre personne ou notre chose pour nos activités. Amen. Mais dans la vie, on peut choisir de faire ce qui est bien. Amen. Moi, je vous dis que vous pouvez être né dans un mauvais environnement et réussir. Et par vos choix. Alléluia. Amen. Même regarde Joseph, on a parlé de lui dernièrement. Il a été en prison. Il a été esclave en prison en plus. Alléluia. Mais il avait toujours un choix. Le choix, c'était qu'il allait croire en Dieu et faire face à ses problèmes avec fidélité et avec une bonne attitude. Alléluia. Amen. Il y a tellement de personnes qui disent, mais je ne peux rien faire contre ma situation. Amen. C'est mon environnement, mon manque d'éducation. Amen. Je n'ai pas d'argent. Amen. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ces choses qui peuvent contribuer à la réussite de votre vie spirituelle.
les choses qui contribuent à la réussite de votre vie spirituelle, c'est les décisions que vous choisissez jour après jour. Alléluia. Amen. Je n'aime pas ça. Vous voyez, en réalité, il y a des choses que je n'aime pas en ça. Parce que depuis longtemps, j'ai porté chez moi peut-être un kilo de plus. 2 kilos de plus. Et on m'a dit que j'ai choisi de porter ces kilos en plus. Maman portait des kilos en plus. Mon frère plus gros que moi. Mes soeurs ne sont pas les choses minces. Mes soeurs sont les choses costauds, vous voyez. Amen. Et là, je dis, c'est dans ma famille. Dans ma famille, je vous dis. Mais en réalité, j'ai choisi de prendre une cuillère de plus. Un autre cuillère de plus. Je ne peux pas blâmer maman pour ça. Je ne peux pas blâmer ma famille pour ça. Mais ce que je dois blâmer, ce n'est pas tellement ma bouche en plus, ni mon bras qui tient la cuillère. Et la... Mais c'est, je porte ce kilo parce que chaque jour, je choisis de manger quelque chose. Il y a certains jours que je suis bien discipliné. Hein? Je ne veux pas que vous imaginez. Mais pour perdre, on m'a dit, et je crois que c'est vrai, il faut avoir plusieurs jours que vous ne prenez pas le cuillère en plus. Amen. Et pas seulement une cuillère. Parfois, je vois quelques-uns de vous peut-être prendre 3 ou 4 cuillères en plus. Assiette aussi. Amen. Amen. Mais non. On ne peut pas blâmer. Oh, les choses qui sont pour ma bouche, qui sont plus délicieuses que les choses. Il semble que ces choses sont tous des choses qui engraissent une personne. Amen. Le crème, le fromage, le beurre, le pain, et la viande avec du graisse dessous, toutes ces choses ne sont pas difficiles à manger pour moi. Amen. Mais les salades, il faut mâcher longtemps, vous voyez. Et même si vous avez salade, il ne faut pas mettre trop de crème sur votre salade, trop de huile, il faut minimiser, mettre un peu de jus de citron. On m'a dit que si vous voulez perdre de poids, amen, mettez du jus de citron avec un peu de... Comment ça s'appelle? Un peu de sacré, un peu de fleur, un peu de sucré qui n'est pas vraiment le sucre. Amen. Vous allez perdre. C'est vrai, on va perdre si on fait ça. Amen. Je crois qu'on va perdre. Amen. On va perdre la joie de vivre peut-être. Hein? Amen. Ça c'est les... Je ne peux pas blâmer quelqu'un pour ma situation. Je ne peux pas dire, mais maman m'a bien nourri trop. Et... Non, il faut que je me rende compte que j'ai décidé, à maintenant, jour après jour, que cette cuillère était tellement délicieuse. En plus, je vais ajouter un peu plus. Alors, mes choix m'ont rendu la taille que je suis. Amen. Pas la hauteur, mais la largeur. Amen. Et la même chose pour vous aussi. Amen. Il est possible, frères et sœurs, que vos choix vous ont mis dans la condition que vous êtes. Amen. Et là, il y a des gens qui aiment, mais c'est quelqu'un qui a fait magie chez moi. Amen. Peut-être c'est vrai, quelqu'un peut faire magie, je crois que ces choses. Hein. Je suis, on dit, mais la magie n'existe pas. Je crois que la magie existe. Amen. Je crois en cela peut-être un peu trop. Ma soeur Richie ne croit pas tellement ça. Amen. Mais je crois en ça plus. Amen. Depuis que je suis dans le monde de mon tribut, aux États-Unis, il y a ceux qui disent qu'ils changent un ours pendant la nuit pour marcher. Je me demande de ces personnes. Je ne veux pas qu'un ours vienne vers moi. Amen. Mais je dis, papa, que penses-tu de ça? Papa a dit, mon fils, ça ne peut pas être vrai. Amen. Mais peut-être qu'ils ne changent pas un ours, mais ils sont des hommes méchants quand même. Et je ne veux pas tellement associer avec eux. Amen. Non, ce n'est pas la magie qui va vous rendre dans votre situation actuelle, parce que Dieu est celui qui délivre de magie. Alléluia. Dieu est le remède contre la magie. Alléluia. Et je sais que parfois, les maladies
pour nous affliger pendant un temps. Mais j'ai toujours un choix dans les maladies. Je choisis de remercier le Seigneur. Alléluia. Je choisis de louer le Seigneur. Je choisis d'avoir l'attitude positive. Alléluia. Je choisis de ne pas écouter les personnes qui portent moi des histoires qui ne sont pas encourageantes. Amen. Je choisis de ne pas juger les autres. Alléluia. J'aimerais me juger. Alléluia. Pouvez-vous dire alléluia. Amen. Dans une réalité, c'est Dieu qui a donné le pouvoir de choisir à chaque personne. C'est une don de Dieu. Le pouvoir de choisir ne vient pas de l'homme. Le pouvoir de choisir ne vient pas du gouvernement. Non, mais c'est Dieu qui donne aux hommes le pouvoir de choisir. Alléluia. Et si nous avons besoin de vivre avec le résultat de notre choix. Amen. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent, amen, je ne suis pas fort en classe. Je peux, en réalité, pourquoi elles ne sont pas fort en classe? Parce que j'ai fait des blagues, hein? J'ai fait des blagues. Qui n'a pas fait des blagues? Alors, un petit garçon allait à l'école dans un jour, premier jour dans l'école, et son papa dit, mon fils, qu'est-ce que tu penses de l'école aujourd'hui? Il a dit, papa, je suis fini avec l'école. C'est le premier jour, hein? Je suis fini. Je ne vais pas retourner. Papa dit, pourquoi tu ne retournes pas à l'école, mon fils, tu as comme 5 ans seulement, Chloé. Pourquoi tu ne veux pas retourner? Parce que papa, il m'a obligé de rester dans la même place. Assise, dans la même place. Et les gens ne veulent pas que je parle. Et ça, c'est ce que j'ai fait, je parle. Et on ne veut pas que je fasse des blagues, papa. Et je ne vais pas retourner. Alors, mais papa dit, non, 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 tu vas retourner à l'école. Amen. Il a obligé le garçon de retourner à l'école pour son bien-être. Amen. Mais, frère et soeur, notre vie est remplie de choix. Par exemple, il y a des gens qui disent, je ne peux pas étudier bien parce que vous aimez blaguer. Vous aimez parler parce que lorsque l'enseignant enseigne, vous aimez les camarades qui vous amusent, vous voyez. Non, et vous allez payer un prix pour cela plus tard. Pasteur Lick m'a dit que lorsqu'il était professeur de mathématiques à Saint-Lucie, il avait toujours les garçons qui voulaient s'amuser et ne voulaient pas étudier. Il disait pour eux, je vais te voir dans une année à Castries, en ville, et tu vas me demander $1. Mais je vous dis que je ne vais pas te donner $1 parce que tu n'as pas choisi d'étudier aujourd'hui. Tu dois vivre avec les conséquences de ta décision d'aujourd'hui. Amen. Alors, le pasteur Lick avait raison aussi. Amen. Parce que les conséquences de ces personnes qui ne voulaient pas étudier, leur choix ce jour-là, va les apporter à un avenir. Amen. Qu'ils avaient fait. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Pour Roland parfois, il donne des paroles de sagesse pour Roland parfois. Il avait un frère qui disait, il avait une voiture. Il roulait et c'était sa première voiture. Elle roulait trop vite. Et lorsqu'elle roulait trop vite, elle a fait un virage. Et le virage semblait arriver plus vite qu'il a prévu. Il a dit qu'il avait un problème de frein. Il ne pouvait pas freiner si vite pour prendre le virage. Et pour le frein de voiture. J'ai regardé pour Roland et a dit, souvent les gens conducteurs ont ce problème. Souvent les gens conducteurs ont ce problème. En réalité, on n'est pas habitué avec la puissance de la voiture, mais on vit avec les conséquences. Amen. Amen. On est lâché. Peut-être que je n'ai dit rien d'intéressant, peut-être que c'est le moment de dire une blague, mais je ne sais pas. Parfois, je crois que les gens se souviennent des blagues parce que le message. Mais les blagues, c'est pour passer le message, que c'est vrai. Il y avait un gangster aux États-Unis qui roulait tellement vite dans sa voiture. Il avait un machine gun, une mitraillette. Les policiers ont appris lui, ses copains dans la voiture, roulent vite, et puis il avait un grand virage.
Il avait pour des nerfs sur la moto aussi. Il tirait après les policiers, puis il tirait après lui. Il avait beaucoup de l'argent dans la voiture. Et puis il revient vers le village, mais il avait des glaces sur la route. Puis il faisait accident. Et là, les policiers ont trouvé la voiture et dit: ah, vous êtes pris, monsieur le bandit. Amen. 15 jours plus tard, la même route, le même temps. Amen. Il avait une soeur et son mari dans la voiture. Il dit: oh chérie, nous sommes en retard. Et tu sais que le pasteur n'est pas en retard. Je voudrais que tu ailles plus vite, mon chéri. Il dit: mais si tu avais été préparé à l'heure, on n'aura pas été en retard, mon chéri. Non, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On voit les vies. Les anges de Dieu sont les anges gardiens. Attention, ils sautent dans certaines vitesses, vous voyez. Les anges de Dieu ne conduisent pas toujours. Lorsque vous conduisez comme un diable, les anges de Dieu ne sont pas tellement. C'est pas marqué dans la Bible, mais ça, c'est ce que j'ai remarqué. Amen. Mais là, elle a dit: oh, chérie, il faut aller plus vite parce que je ne veux pas. Il a dit: ok, ma chérie, on ira plus vite. Il allait très vite, il allait comme le bandit sur la même coin, sur la même route, et la classe était là, et maintenant sur les chrétiens. Non, le choix les a amenés à aller dans le. La voiture est crassée, ils ont chibé, ils ont manqué le raté le tour, et puis. Mais on est chrétien, non, si un chrétien fait un mauvais choix, il va avoir le même résultat, parce que vous ne pouvez pas changer la nature. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Non, nous sommes largement au résultat de notre choix de chaque jour. Il y a un endroit aux États-Unis, dans la ville de New York, qui s'appelle le Bowery. Le Bowery. Il y a un endroit presque pareil, dans Chicago, qui s'appelle le Skid Row. Skid Row. Il y a presque dans toutes les grandes villes, il y a des endroits comme cela. Si vous allez là, vous allez voir les gens couchés par terre. Les gens qui disent comme SDF, sans un domicile. Amen. Ils sont les gens qui sont en pauvreté. Et peut-être la première réaction lorsque vous voyez ces choses, peut-être vous pouvez dire: mais pourquoi dans les pays d'Amérique qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Pourquoi le maire de New York ne fait rien pour les choses, pour aider les personnes? Pourquoi? Et là, il y a souvent des églises qui sont dans ces quartiers, des églises pentecôtistes. Et là, ces églises, même, vous connaissez le petit traité que nous avons à l'église, c'est lui qui est l'homme de chariot, vous voyez. Vous avez lu ça, ça c'est qui pour nous aider. Amen. Et puis, il avait peut-être de les endroits que vous pouvez manger une soupe, un sandwich, un repas pour rien. Amen. Et dormir pour presque rien. Mais si vous parlez avec ces personnes qui sont dans ces rues, parfois vous allez écouter leurs histoires. Il y a parmi les gens qui dorment par terre, qui sont dans des situations comme ça, les professeurs, les avocats, les hommes d'affaires, même les docteurs. C'est vrai, frère et soeur. Les docteurs aussi, amen. Pourquoi? Ils sont dans les conditions de partir. Ils sont sur un domicile fixe. Parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de boire d'alcool jour après jour. D'être un ivrogne, amen. Et de ne pas arrêter avec un verre, mais de continuer à boire jusqu'à ne pouvait plus faire le travail de médecine, ou ne pouvait plus faire le travail de professeur. Et leur mauvaise décision de chaque jour les a mis dans la situation de skid row, dans la situation de pauvreté, dans la situation comme ça. Même en hiver, mes frères et sœurs, amen. Et ce n'est pas l'éducation qui peut changer votre vie. Amen, mais le choix que vous faites jour après jour, si vous faites des bons choix pour le Seigneur, vous pouvez réussir dans votre vie. Amen. Mais le continuellement faire de mauvais choix pour attirer le plus éduqué et attirer le plus riche des personnes. Amen. Amen. Parce que le pouvoir de choisir du bien est un grand pouvoir. De choisir le bien est une puissance.
de choisir le bien vous donne une possibilité de réussir, une possibilité de voir le succès dans votre vie, une possibilité de voir le ciel un jour, mes frères. Alléluia. Le pouvoir de choisir. Amen. Dans notre texte biblique que nous avons lu ce matin, amen, nous avons lu Moïse. Et Moïse est un homme spécialement. Spécial. Amen. Moïse, comme un bébé, il vivait dans un temps que tous les enfants mâles devaient être jetés dans le fleuve, Nil, parce que ses parents étaient esclaves et les Égyptiens avaient peur que les enfants d'Israël multiplient trop vite et qu'un jour ils vont révolter contre eux. Et là, le roi a dit que tous les enfants mâles soient jetés dans le feu, dans le fleuve. Et là, maman de Moïse ne voulait pas faire cela. Maman de Moïse ne pouvait pas supporter voir. Elle a pris des roseaux, elle a pris de bitume, elle a fait un petit bateau pour son fils. Et pendant la journée, amen, elle a mis en garde sa grande sœur, Mary, en garde. Et là, elle a attaché le petit bateau avec une corde. Et veillé sur le bateau, que où était son frère caché. Amen. Chaque jour, maman priait, oh Seigneur, que tu sauves mon enfant. Oh Seigneur, veillé sur. Ça, c'est une bonne prière pour les mères. Et j'aimerais dire aux mères de cette église, alléluia, vous devez prier cela pour vos enfants, alléluia. Et vos enfants, même s'ils sont égarés aujourd'hui, pourraient être sauvés et retourner et revenir dans leur bon sens, alléluia. Béni soit l'Éternel, alléluia. Amen. Et quelques-uns de vous vont voir ça avant longtemps, amen. 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 Frères et sœurs, je vous dis que Marie, la sœur, et si vous êtes une sœur ici, si vous êtes une grande sœur, vous avez une grande influence sur les petits de votre famille. Hein? Amen. Et là, elle avait une responsabilité de garder son petit frère. Mettez le frère dans le bateau. Pour 3 mois, la bête. Pendant que le bébé avait faim, amen. Elle faisait le meilleur pour amener le bébé en cachette vers maman. Amen. 3 mois. Mais un jour, la princesse du pays est descendue avec ses servantes pour se baigner dans la rivière. Et lorsqu'elle descendait, à quelle place qu'elle descend? Elle descend juste à l'endroit où Moïse a été caché. Amen. Et là, la princesse du pays, amen, allait se baigner. Et lorsqu'elle allait se baigner, malgré les animaux qui étaient là, les oiseaux et tous les autres bêtes autour, et toute la manière que les servantes parlent, elle entend un bruit d'un enfant qui crie, alléluia. Dieu était là avec Moïse, alléluia. Dieu était là pour sauver l'enfant. Dieu était là pour exaucer la prière de maman, exaucer la prière de Marie, alléluia. Dieu était là, alléluia. Et là, l'enfant a dit, mais qu'est-ce que c'est ce petit bateau qui est là? Et l'un des servantes est allé chercher le bateau. Et lorsqu'on a ouvert la couverture du bateau, un petit garçon criait. Ah! Ému de compassion, la princesse dit, j'ai trouvé un bébé. N'a pas amené le bébé audace. Elle a dit, je garde un bébé. Tu m'as donné un bébé. Béni soit l'Éternel, alléluia. Ça arrive, hein? Ça arrive surtout auparavant. Mais ma mère, le plus grand rêve de ma mère, c'est mon fils un jour chapitre. Réveiller le matin, aller vers la porte de la maison et tout, un bébé dans un panier. Ça, c'est mon désir. Elle a déjà eu 6 semaines. Ça ne se faisait pas pour maman. Amen. Amen. Et la princesse a trouvé Moïse. Maman a prié. La soeur et le frère ont prié. La puissance de la prière. Vous choisissez à prier chaque jour. Hein? Là, ça, c'est un choix de puissance. Ça, c'est un choix puissant. Alléluia. Et là, ce que réveille
Amen. La princesse disait, ah, mais c'est un enfant des Hébreux. Et puis, elle a dit, mais l'enfant a faim. Qui est-ce qui peut donner l'enfant à l'acte de l'enfant? À ce moment-là, Marie s'est prise. Oh, je connais quelqu'un. Courage, bon choix, n'est-ce pas? J'aime cette histoire, alléluia. Et puis la princesse dit, ah, mais va chercher quelqu'un pour l'acte de l'enfant. Et qui est-ce que cherche? La maman de l'enfant, alléluia. Je vois la main de Dieu dans ces choses, alléluia. Amen. Et la maman de l'enfant, elle a dit, je vais te donner un salaire. Amen. Elle est esclave. Mais je vais te donner un salaire de l'acte de cet enfant. Mais, béni soit le Dieu. Amen. Ça, c'est une bonne chose, frère. L'argent pour soigner votre propre enfant. Alléluia. Pour revenir. Alléluia. Amen. Et puis, maman était contente, maman avait l'autorité, maman avait plus besoin de cacher l'enfant. Amen, maman avait cette joie dans son cœur. Et toujours maman parlait de Dieu avec lui. Toujours maman disait, tu es un enfant spécial. Dieu a travaillé pour toi, mon fils. J'ai prié pour toi. Dieu t'a protégé. Dieu t'a mis dans mes bras. Il y a un jour que tu vas s'en servir de toi. Alléluia. Les paroles puissantes. Amen. Quelle parole que nous allons croire, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons donner les espérances à nos enfants. Nous ne devons pas dire, mais vous êtes bêtes, vous êtes stupides, vous êtes laides, vous êtes gros, vous ne pouvez rien faire. Non, vous devez dire, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Dieu est là sur la terre pour bon raison. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et je voudrais dire que pour toutes les personnes de notre église, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. L'enfant grandissait. On ne sait pas exactement l'âge que Moïse a été reçu en plein temps dans le palais. Mais je crois que c'est avant qu'il avait 12 ans. Il était un jeune garçon. Lorsqu'il, sans doute, il allait visiter la princesse comme la princesse voulait. Mais un jour, il est arrivé qu'il devait prendre l'éducation d'Égypte. Et là, on a dit que c'était environ de 12 ans qu'il laissait maman. Amen. Il laissait papa, laissait sa soeur et son frère. Il allait habiter dans le palais de princesse. Il a été appelé fils de Pharaon. Amen. Je voudrais vous dire que le palais dans lequel il vivait. Amen. Il n'y a pas de maison à Martinique comme ça. Il n'y a pas de maison à Martinique comme ça. Amen. Et là, il dit la richesse d'Égypte. Vous voyez, la richesse d'Égypte. Lorsque on a découvert un petit partie de cette richesse d'un certain roi qui s'appelle Tot, le roi Tot, on a pris un partie de sa richesse, on a découvert. On a fait circuler cela dans plusieurs villes en Europe, en plusieurs villes aux États-Unis, au Canada, et les gens payaient un entrée pour voir simplement une partie de cette richesse. Frère, l'Égypte était reconnue pour un pays de richesse. Et là, autour de Moïse, de ce jeune enfant d'Israël, choisi par Dieu, Dieu lui a placé au milieu de cette richesse, au milieu de l'éducation d'Égypte, frère et sœur. Mais je vous dis que parfois, lorsqu'on est inondé soudainement avec richesse, on n'est pas bien, on perd la tête. Souvent les gens aiment dire, mais je voudrais m'enrichir rapidement. Vous allez perdre votre vie spirituelle et vous allez peut-être perdre votre tête aussi. Amen. Mais là, au milieu de toute cette richesse d'Égypte, richesse qui n'est pas égalée depuis longtemps, et présentement n'est pas tellement égalée, alléluia. Il n'y a pas d'égal de cette richesse. Amen. Je ne connais pas toutes les richesses qui existent, mais je sais que c'est une richesse supérieure à toutes les richesses que j'ai jamais vues. Amen. Amen. Ce sont les peuples qui ont construit les pyramides.
pour un tombeau de leur roi. Amen. Alors, Martinique, il y a ce qu'on a passé, il y a des riches en ville. Hein? Mais pas pire, bête, hein? Je dis, pourquoi ça s'appelle le cimetière des riches? Parce qu'il faut avoir de l'argent pour avoir un tombe dans ce cimetière-là. Amen. Alors, il était entouré de richesses. Amen. Ne mangez pas les figues vertes. Hein? Et ne mangez pas titane. Et ne mangez pas morue. Hein? Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient manger. Oh, Moïse, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Je voulais manger un canard, à l'orange, au tiers perfection. Ok, Moïse, ça c'est pas des yeux, c'est ça que tu vas manger. Je voulais manger la chair de cerf aujourd'hui. Ah, mais ça, tu veux manger. Tu es prête, tu vas manger. Je voudrais manger le cou, le crocodile. C'est on va le faire pour toi. Je voudrais manger le tronc d'éléphant. On a dit que ça c'est très bon. J'ai jamais mangé le tronc d'éléphant. J'espère que je peux manger un jour. Mais n'importe quelle chose que vous voulez manger, qu'elle choisisse. Vous voyez, après un moment, le luxe que vous avez autour de vous, vous imaginez que vous êtes quelqu'un de très spécial. Je voudrais dire ce qui est de très spécial. Ça, c'est l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Il est celui qui est très spécial. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement que vous êtes riche ou que vous êtes pauvre. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes spécial. Alléluia. Amen, amen. Un jour, tu arrives. Que c'était pour lui à choisir. Vous voyez, vos enfants, vous pouvez influencer leur choix. Vous pouvez les aider de choisir le bien. Mais à un certain moment, vos enfants vont choisir pour eux-mêmes. Amen. Et là, ce choix, amen, est très important. Mais voici, le moment arrivé, Moïse allait voir les autres Israélites. Ils connaissaient qu'il était Israélite. Hein? Malgré qu'il avait les tenues, malgré qu'il avait l'éducation d'Égypte, malgré qu'il était prince en Égypte, on a dit, selon ce que les historiens bibliques ont dit, que si Moïse avait resté en Égypte, il est fortement possible qu'il serait le pharaon. Il serait le roi d'Égypte, frère et soeur. S'il avait resté en Égypte, c'est lui le trône de la plus puissante nation de terre qui existait à ce moment-là. Amen. Mais Moïse est sorti, il voyait. Il voyait les enfants d'Israël. Il savait que c'était son sang qui était là. Il savait que sa mère était là. Amen. Il croyait que Dieu allait lui utiliser aussi. Mais Dieu n'utilise pas nous après notre conception. Moïse croyait que Dieu allait libérer Israël par lui lorsqu'il était prince. Et là, il voyait deux de ses Israélites. Amen. Et là, il voyait un Égyptien qui frappait un Israélite. Fortement, je suis pas. Et là, Moïse a tué l'Égyptien. Il a caché le corps d'Égyptien dans le sable. Et là, il crut que les autres personnes d'Israël allaient accepter que Dieu lui a placé dans une place pour délivrer Israël. Et le jour suivant, deux Israélites se battaient, se collaient ensemble. Et là, lorsque Moïse a dit, tiens, vous êtes des frères, pourquoi parlez-vous comme ça? Il a dit, est-ce que vous allez me tuer pour traiter un Égyptien hier? Et puis, et Moïse a pris la fuite. Il fuyait parce que le pharaon savait qu'il a tué un Égyptien pour sauver un Israélite. Il a fait un choix. Et regarde, regarde.
parce que vous considérez ce que vous voyez, le choix n'était pas tellement bien. Si vous regardez que toutes les richesses, tout ce pouvoir, tout ce manger, tout ce boire, toutes ces femmes, toutes les choses du monde qui étaient devant lui, puissance, autorité, il choisit le peuple de Dieu qui était esclave. Selon l'évidence qu'il a dit, il a mal choisi lui. Il est fou. Pourquoi vous avez choisi ça? Parfois les gens disent ça pour nous les chrétiens aussi. Mais oh, vous n'avez pas considéré comme Moïse a considéré. Il savait que le plaisir de pécher ne dure pas longtemps. Il savait que la joie de pécher ne peut pas durer longtemps. Il savait qu'un jour, Dieu va appeler les hommes en jugement pour leurs actions. Et là, Moïse a choisi le bon droit chemin de la vie sanctifiée avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et à cause de ce choix qu'il a fait, un jour il s'est présenté devant le roi d'Égypte, sans crainte, amen, sans être effrayé. Il prie le Seigneur, et le Seigneur a envoyé display. Et Moïse a délivré le peuple d'Israël, pas selon sa volonté, mais la manière que Dieu a choisi, lorsqu'il avait 80 ans, et pas 40 ans, alléluia. Amen. Et Moïse a bien choisi, frères et sœurs. Il a bien choisi. Alléluia. Il a fait un bon choix. Amen. Amen. Et laissez-moi vous encourager ce matin de faire les bons choix tous les jours de votre vie. Les bons choix pour le Seigneur. Les bons choix de marcher correctement. Amen. Les bons choix. Vous levez le matin. Oh, voilà. Vous lèvez le matin, la nuit est déjà finie. Vous lèvez le matin, ouh, moi j'ai fait mal partout. Vous lèvez le matin, ouh, déjà. Vous lèvez le matin, enlevez vos os, peut-être pas vous, ceux qui se disent jamais. Parfois, vos os font crac. Et là, vous lèvez le matin, il sent que c'est comme un loot extraordinaire, extraterrestre qui vous reste attaché. Et là, vous l'avez maintenant. Voilà que maman. Mais il ne faut pas oublier. Priez. Alléluia. Les Juifs avaient vos prières. Ils disaient lorsque vous l'avez maintenant, ancien prière juive. Je me lève comme un lion pour le service du Seigneur. Quelle attitude positive, hein? Amen. Ça, c'est une bonne prière pour nous. Lorsqu'on lève le matin, je me lève comme un lion. Amen. Pour le service du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour moi-même, mais c'est pour le service du Seigneur que je me lève. Alléluia. On fait un effort de sortir. Amen. On fait un effort de mettre le jour en ordre. On lit la Bible. On prie. On parle avec Dieu. On met la journée devant Dieu. Tous les jours, alléluia. Je me mets dans une bonne position de réussir pour la journée. Quoi que m'arrive, j'ai prié sur la journée. Quoi qu'il m'aide devant moi, je cherche le Seigneur. Le Seigneur est avec moi, alléluia. Amen. Un bon choix est un choix puissant, mes frères et sœurs. Il y a pouvoir de choisir ce qui est bien. Amen. Amen. Oh, levez-le, priez le Seigneur avec moi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il y a... Pour moi, je ne comprends pas ça, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent à notre église qui sont tentés à sortir d'un carnaval. Vous savez ça? Pour moi, ça c'est une tentation que je ne peux pas faire. Même si je voulais sauter, je ne vais pas sauter tellement. Amen.
Le Seigneur est content de dire, mon bouge, il y a un boum, c'est posé. Amen. Mais il y a des gens qui viennent à notre église, qui sont tentés à faire cela. Et il dit, faites ce que vous voulez. Mais en sachant qu'un jour, tu vous appelleras, je vous conseillerai ça. Amen. Non, enfant de Dieu, nous avons une meilleure chose. Nous avons un choix à faire qui sera rémunéré par le Seigneur un jour. Alléluia. Qui sera béni par le Seigneur un jour. Alléluia. Nous avons un bon choix à faire. Pour je choisis. Alléluia. Dieu a besoin des hommes comme Josué. Regarde, regarde, cherche le chapitre 24, verset 15. Amen. À partir du verset 14, vraiment, on va commencer la lecture. Josué 24, à partir du verset 14. Voici Josué à la fin de sa vie. Il parle pour les autres. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, avec fidélité. Faites disparaître les dieux conservés vos pères au-delà du fleuve et amen en Égypte. Et servez l'Éternel. Amen. Faites passer les mauvaises habitudes que vous avez eues en Égypte. Faites passer cette mauvaise manière de vivre que vous avez eue autrefois. Même vos pères avaient cette mauvaise habitude. Amen. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, amen. Mais choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Des dieux, des habitudes, des mauvaises actions qui servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Choisissez ce que vous allez faire avec votre vie. Amen. C'est à vous à choisir. Mais j'aime beaucoup la prochaine phrase. Josué dit, moi et ma maison, nous serverons l'Éternel. Alléluia. Mais pour moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous pouvez servir celui que vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison, amen, je choisis de servir l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas d'autre comme l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour les hommes qui prennent la décision qui dit pour moi et ma maison. Amen. Non, on ne va pas laisser ça se passer. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons marcher avec lui. Parce que c'est le moment de choisir. J'ai choisi, disait Josué. Et ce moment de choisir va se répéter souvent dans la vie. Va se renouveler de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que vous allez à servir? Qui est-ce que vous voulez servir maintenant? Amen. Pour moi et ma maison. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour mes enfants. Amen. De servir l'Éternel. Amen. Et je n'avais pas la suite de moitié cœur. Ou de simplement une petite affection. Et je vais le suivre de tout mon cœur. Alléluia. Oh, que tous les chrétiens disent cela ce matin. Moi et ma maison, nous serons l'Éternel. Moi et ma maison, nous serons l'Éternel. Ce n'est pas à dire qu'il n'y aura pas de tribulation ni épreuve, mais moi et ma maison, nous serons l'Éternel. Ce n'est pas à dire que vous ne serez pas malade, mais moi et ma maison, nous serons l'Éternel. Alléluia. Nous n'allons pas murmurer lorsque les choses ne rient pas exactement à l'heure que nous voulons. Moi et ma maison, nous serons l'Éternel. Il y a puissance à choisir correctement. Il y a puissance à choisir le bon chemin. Alléluia. Amen. Et cette puissance a placé Moïse parmi les plus grands hommes qui vivent sur la terre. Amen. Amen. Qui vivent sur la terre. Toutes les personnes qui ont une éducation du monde, dans le monde entier, presque toutes les personnes, je crois, qui ont une éducation ont entendu parler de Moïse. Amen. Et si Moïse avait resté en Égypte,
et s'il est devenu le roi d'Égypte, Dieu allait trouver une personne pour délivrer son peuple. Dieu allait trouver un autre, alléluia. Amen. Et Dieu n'avait pas besoin de Moïse de sauver le peuple. Amen. C'est à lui de choisir. Est-ce que vous voulez être sur le trône ici, sur la terre, et dominer? Ou est-ce que vous voulez avoir un trône au ciel un jour et régner éternellement avec le Christ? Alléluia. Amen. Non, Dieu allait trouver quelqu'un pour délivrer son peuple. Est-ce que Dieu allait délivrer son peuple? Alléluia. Mais Moïse a fait le bon choix lorsqu'il a dit pour. Amen. Il allait marcher avec Dieu. Amen. On est là? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains et remercier encore? Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais papa, tout le monde l'a fait. Les enfants de Josué comprirent. Mais papa, tout le monde l'a fait. Papa, je suis démodé. Papa, tout le monde se pique comme ça, papa. Papa, tout le monde a leur ambri piqué avec un aiguille et porte un chêne dans leur aiguille. Papa! Un jour, un pasteur aux États-Unis voulait illustrer à son fils qui dit, papa, j'aimerais avoir mon oreille. Et on sait. Papa dit, est-ce que tu as prié? Et le papa, tout le monde fait ça. Et son père, il a mangé ensemble. Je crois que c'était le lendemain, deux jours après, son père a cherché les anneaux. Ça s'appelle l'anneau. Il cherchait les gros anneaux. Et il a attaché les anneaux dans ses oreilles pour leur repas. N'a pas perdu ses oreilles, il a attaché. Et son fils est. Et regardez son fils. Son fils dit, papa, ça c'est bête ça. Ça c'est bête. Il dit, ah bon. Tout le monde le fait. Et le fils a rendu compte que ça c'est trop stupide de faire. Amen. Amen. Il a appelé son papa. Amen. Le papa a utilisé ça parce que. Amen. Parfois les enfants ne pas écouter et ne voient pas la stupidité de leur décision facilement. Mais lorsque vous ne voyez pas avec les anneaux dans ses oreilles à table. Amen. Béni soit le Dieu. Tu peux donner ça, c'est à vos parents de ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu dit, il faut demander ça, à Dieu si vous avez des enfants. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas d'enfants, il faut avoir sagesse quand même. Mais surtout lorsque vous avez des enfants de certain âge, priez le Seigneur de vous donner sagesse. Amen. Il y a certains enfants qui sont levés. Si vous dites, ça c'est rouge. L'enfant dit, c'est bleu. Non, chérie, ça c'est le couleur rouge. Et l'enfant dit, non, c'est bleu. Et il y a certains hommes, peut-être qu'il y a certains hommes comme ça aussi. Lorsque leur femme dit ça, c'est rouge. Le papa mal, ça c'est rouge. Parfois pour les hommes, ils ne voient pas la couleur bien. Mais je me souviens une fois, sur j'ai acheté un cravate que je ne pouvais pas supporter voir sur le cravate. Pour moi, c'était rose et vert. Tu m'as acheté une cravate rose et verte comme ça. Ces couleurs ne vont pas bien ensemble. Elle a dit, ça c'est pas rose et verte, ça c'est bleu et rouge. Je sais pas quelle chose. Bleu et rouge. Je dis, je prends mes couleurs en fait. Elle a dit, ça c'est bleu et rouge. Je dis, je ne sais pas cette cravate. On va prendre cette cravate à la magasin et on va demander au monsieur de changer le cravate, de lui donner de l'argent. Je ne peux pas porter ça. Et je suis allé dans le magasin, j'ai dit, monsieur, ma femme veut l'acheter cette cravate, voici le petit ticket qu'il dit. Et je ne peux pas porter une cravate rose et vert comme ça.
Le missionnaire lui a dit, c'est pas vous, c'est vrai. Je prenais mes couleurs. C'est rose et vert pour moi. Elle a dit, c'est pas rose et vert, c'est bleu et rouge. Des années après, j'ai appris que je suis daltonien. Je ne vois pas les couleurs comme les auteurs se voient les couleurs. Amen. Ma femme achetait une belle cravate et je ne savais pas que c'était belle. Amen. Maintenant, je dis, chérie, si tu m'achètes une cravate, achète-moi une cravate avec des images dessus, pas tellement de couleurs. Les images qui seront intéressantes à voir. Amen. Des chapeaux, des cabris, des soeurs, des potes, amen. Legs, perroquets. Amen. Moi, je vais voir que c'est un animal. Amen. Mais si vous avez des enfants, il faut demander sagesse à Dieu. Si vous avez des situations dans la vie, même vous travaillez avec des gens, il faut demander sagesse à Dieu. Amen. La sagesse vaut plus que la puissance. Amen. Peut-être que vous pouvez être plus fort. Amen. Mais vous n'avez pas de sagesse, vous n'allez pas tellement réussir. Amen. Encore mes frères, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 et 2. Il y a la puissance de choisir Dieu. Amen. De Corinthiens chapitre 6, verset 1 et verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'exauce. Au jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour de salut. Amen. Ce n'est pas un moment où vous devrez renvoyer la décision de nouveau. Mais maintenant, c'est le moment de choisir ce qui est bon et ce qui est correct. De choisir le Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous pouvez le faire. Alléluia. Amen. Lève-moi la main et remercie le Seigneur avec moi. Alléluia. Jésus, je te bénis. Je te remercie. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas encore décidé de donner votre vie à Jésus, faites-la aujourd'hui. C'est une bonne décision. Alléluia. Une décision qui va vous mettre dans une bonne place avec Dieu. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus. Faites la décision d'être baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est pour vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Amen. Amen. Si vous voulez, viens, on va chanter. Moi et ma maison. Nous servons l'éternel. Alléluia. Et si vous voulez faire ce choix ce matin, choisissez de servir le Seigneur aussi. Alléluia. Amen. Maintenant, debout et priez le Seigneur ensemble. Et dit, Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de nouveau de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je choisis de nouveau. Alléluia. Je choisis de nouveau. Alléluia. Je choisis de nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je choisis de nouveau. Alléluia, 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 alléluia. Je choisis Seigneur Jésus. Alléluia. Marche avec toi. Te servir. Alléluia. D'être agréable à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Moi et ma maison, et ma maison, nous servirons. Amen, on est là. Moi et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, nous servirons.